à Berlin. Oui. Allô, Wicket. Vivera, Groot. Et là, tiens, j'ai honte, putain. C'est que je vis à Berlin depuis 2 ans et que je parle toujours pas l'allemand. Je suis désolé. Non, c'est vrai, j'essaie de prendre des cours, tout ça, mais l'allemand, c'est une langue. J'arrive à comprendre des trucs. Je peux comprendre ce qu'on me dit, mais pour m'exprimer en allemand, c'est très difficile. Berlin, c'est super. Enfin, je veux dire, c'est une ville. C'est une ville très particulière, quoi, un peu unique, je dirais, parce que c'est un mélange de. C'est une ville gigantesque, vaste, où il y a des. Tu vois, des zones complètement sauvages. Enfin, c'est énorme, et en même temps, il y a un petit côté campagne, et en même temps, il se passe plein de choses, on le sait, quoi, il y a plein de soirées un peu partout. Donc, pour moi, c'était le compromis idéal entre la campagne et le chaos, un petit peu de la ville, le rythme un peu. On peut trouver les deux là-bas, et il n'y a pas beaucoup de villes où il y a ça, je pense. C'est soit des villes comme Londres ou Paris où tu es stressé en permanence. Moi, je suis un parigot, j'ai besoin de ce rythme un peu, c'est mon système nerveux, quoi. Je suis aussi attiré par le côté relax de la campagne, de la Bretagne. Tu vois, je pensais aller en Bretagne à un moment donné, mais comme je suis un parigot et que j'ai besoin quand même du coup de speed, j'ai trouvé ça à Berlin, l'équilibre entre les deux. Un soir, je peux sortir, aller faire un peu la fête, et puis en même temps j'habite dans une petite maison complètement isolée dans un quartier super calme, donc c'est pour moi c'était l'idéal, quoi. Semaine avant d'y jouer, je savais pas ce que c'était, j'avais jamais entendu parler de Tours. Mais ah, c'est trop bien, tu joues à Tours et tout ça, mais je n'avais jamais entendu parler de ce festival. Et je suis arrivé, il y avait ce truc gigantesque. Je sais pas, donc il y en a plein à découvrir, quoi, en fait. Le festival, c'est vrai que c'est un truc, c'est assez fort quand même. C'est-à-dire que Tours, par exemple, pour l'anecdote, donc une semaine avant, ouais, je jouais à Tours, je sais pas ce que c'est, putain, Tours, machin, regarde la programmation. Effectivement, je regarde la programmation. Truc gigantesque, et il y avait je sais pas, les 10 mecs dont je suis complètement fan en ce moment, que je kiffe trop, et qui jouaient à Tours, et je suis arrivé, moi je suis plutôt un anxieux, tu vois, je suis arrivé à Tours un peu à la bourre, c'est-à-dire je suis arrivé sur le festival, je jouais dans une demi-heure, il a fallu que je traverse la foule pour arriver sur scène et jouer, et c'était Caribou qui jouait avant moi, un mec que j'adore, qui était en train de faire un truc complètement dingue, et moi comme un con je traverse la foule avec mon matos. Et il y avait le temps qui passait, il fallait jouer et tout, gros coup de stress. Et voilà, t'installes le matos, tu joues, il y a beaucoup de gens devant toi. Et en fait, quand tu commences à jouer, t'oublies tout et tout se passe bien. C'est comme si tu jouais devant 15 personnes. Mais les festivals, ouais, c'est fort, quoi, c'est fort. Puis il y a aussi le fait qu'une fois que t'as joué, tu vas voir un peu ce que font les autres sur les autres scènes et tout. Moi, j'en profite vachement à chaque festival pour écouter un peu les... C'est... T'as été repris par Massive Attack, par Agoria, etc. Est-ce qu'un jour tu feras des trucs avec eux ? Oh, bah, peut-être, c'est possible, hein, tout est possible. C'est vrai que Massive Attack, c'était assez dingue, quoi. On verra, quoi, je sais pas. Encore une fois, c'est mon côté un peu passif où je me laisse aller. Je laisse les gens venir voir moi. Je fais mon truc, mon petit studio, en solitaire, et puis les gens viennent vers moi, et s'il y a un bon feeling, on avance ensemble, mais... C'est pas trop moi qui démarche les gens, je suis trop timide pour ça, donc je laisse les gens venir. Peut-être qu'on fera un truc ensemble, avec Massive Attack, Agoria, je sais pas. C'est possible. We'll be right back.
Ouais, c'est une année assez chargée, mais super excitante en même temps. C'est très stimulant parce qu'il se passe plein de choses. C'est juste une histoire d'organisation un petit peu du temps, parce qu'il y a plein de trucs en même temps. Mais c'est cool, quoi. J'essaye de trouver un équilibre entre les concerts, qui demandent beaucoup d'énergie, mais qui t'en donnent aussi vachement. C'est-à-dire que quand je reviens d'un concert, je suis à la fois KO, j'arrive à Berlin, je suis en studio, il me faut une journée pour récupérer. Mais en même temps, ça m'a nourri, quoi. Et donc le concert nourrit le studio, et évidemment, le studio nourrit le concert, c'est un équilibre, quoi. En gros, je passe la semaine en studio à bosser le son et les week-ends à jouer. C'est un équilibre qui marche plutôt bien, quoi. Bon, bah, à bientôt, alors. Ouais, à bientôt, ouais. Tu passes à Rennes, un de ces quatre ? J'espère, je sais plus, mais sûrement. Ouais, faudrait que je regarde. Je sais plus. Vous allez être prévu.